Salut YouTube, bienvenue pour une nouvelle découverte sur la chaîne. Aujourd'hui nous testons Strayed Light. Ce n'est pas écrit mais tu verras, ça sera marqué. N'aie confiance, n'aie crainte YouTube, aie confiance en moi. Il s'agit de Strayed Light, donc qui a été développé et édité par Embers et BC Cocorico parce que c'est un studio strasbourgeois. Bonjour à vous, Embers. Et bienvenue pour la découverte de votre propre jeu, si vous passez par là. Bon, en tout cas, merci. Et merci à vous aussi de nous avoir fourni une clé du jeu. C'est très cool. On va pouvoir tester ça. C'est sorti le 25 avril 2023. C'est un jeu d'aventure, action. Si j'ai bien compris, un peu, il y a un univers assez onirique et assez féerique. Un peu à la Ori and the Blind Forest, un truc comme ça. Mais c'est un jeu d'action vraiment en 3D pour le coup, c'est pas un platformer, où on va devoir se battre et faire des parades spécifiques au bon moment. Donc voilà, un petit côté Sekiro-like, mais de loin quoi, sans les samouraïs. Bon, donc c'est vraiment de loin. Mais au moins le côté parade. Ah voilà. C'est fou, c'est fou. En tout cas, YouTube, le chat te dit bonjour. Te dit hello. Donc nous allons tester ça. La musique, c'est à noter. J'ai cru comprendre que c'était Austin, comment il s'appelle, Wintory. Austin Wintory qui a fait la musique de Journey. Ce qui est plutôt pas mal. Abzu et The Banner Saga aussi. The Banner Saga, je connais pas bien le jeu. Je connais pas trop la série du coup. Donc je connais pas la musique. Mais par contre Journey et Abzu, ouais, la musique était vraiment très très cool. Sans les membres. Sans les membres en moins. Ça, on sait pas. Hein. Non, mais je pense pas que ça soit quelque chose de trop gore. On va tester ça tout de suite. Je sais pas s'il y a une... On va jouer en quoi? En histoire. Un mode spécial créé pour les joueurs qui préfèrent se concentrer sur l'histoire et dans le combat, comme d'hab, quoi. Allô? Pourquoi? Allô? Bah alors? Oui. Pourquoi je peux pas bouger après? Ah là 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 là, mais c'est quoi ces... c'est quoi ces bugs là, hein, sérieux? Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Sansa et Challenge, c'est quoi? Allô? Difficulté originale... Bon, voilà, on va prendre standard là. Ça va bien se passer. C'est un très beau jeu de journée, oui. Tout à fait. Ah, petit cinématique. Ça vibre dans la manette. On dirait que ma manette, elle a un cœur. Quoi? Quoi? Se déplacer. Ah! Je suis Son Goku. J'ai une petite queue là, non? Ah non, pas du tout. Ah! Elle fait partie du côté obscur des infirmières, c'est ça? Darth Nurse. Regardez autour de soi, oui. J'imagine que c'est par là. Mais qu'est-ce qui t'arrive, bébou? T'es perdu ou quoi? Dans quelle étagère? Comment ça? Je peux aller là? Non, un caillou. C'est marrant, vraiment, on ouvre les yeux là, petit à petit. C'est flou. C'est pas clair. Oh. Ça a l'air joli. J'aurais pas aimé l'avoir comme infirmière. Elle m'aurait fait le coup du lapin. Peut-être. What?
Ok. Dans quelle étagère? Mais... N'importe quoi, Mario, dis donc. On n'est pas censé le dire. C'est un secret. Serdou, sors! Sors donc, non! Quoi? Dors donc, non? Ah! Serdou dort donc, non. On a dit pas en live, on a dit. C'est non. Je suis toute douce dans mon métier, bon, j'en suis sûr en plus. Par contre, dès qu'il s'agit de boire des shots, je deviens une furie. Oulala. Eh, c'est joli. Ah, petite vibes, hein, petite vibes là. Il pleut comme à Strasbourg, hein. On sent qu'ils se sont inspirés des... C'est comme ça Strasbourg, moi j'y vais pas, hein. On voit au loin quoi, c'est comme dans Zelda, on peut y aller? Oh, faut pas déconner quand même. Ah Bébou, t'es pas arrivé le meilleur des jours, hein, visiblement. Ah. Aouh. Un stressant. Stressant. Quoi? Quand je bois trop, je fais des câlins à tout le monde. T'es même pipou. T'es pipou jusqu'au bout de la bouteille, quoi. Ouais, d'accord. Je me dépêche. Faut pas courir? Ah bah. Ok. B en sprint. Par là. Ah waouh! Ça va pas non? Je me suis pris un écart sur la tête là, on est d'accord hein? Terrible. Ok. Ah, on va prendre le saut. Voilà, là j'ai fait le jeu ou quoi? Ouais, je l'ai fini trois fois. C'est pas vrai. Il fait des sauts le bébou là, tranquille quoi. C'est propre, c'est beau hein, c'est joli hein. Ah. Appuie sur L pour s'accroupir. Ok. Et c'est Elden Ring quoi? On est dans le sous-sol d'Elden Ring? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok. Demain c'est l'anniversaire d'un pote, il va finir la tête dans la cuvette. Mais pourquoi? Pourquoi vous voulez faire ça? Ça y est, ça part en live. Bah oui, ça fait une heure. Une heure, une minute et 15 secondes qu'on est en live. Fou, salue-moi. Ah! Parce qu'on va pas le laisser venir par terre, c'est gentil ça. C'est gentil, merci pour lui. Bonjour. Moi. Ah, ça vibre. What? Ah, mais d'accord, ouais, l'évolution. Quand on évolue quoi. What? Ah mais c'est pas notre reflet. Chelou. What? Le dark le dark nous. Dark Sasuke. Hola. 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 Ah. C'est moi dans le reflet. Quoi? Ah. Ah, il y a un truc hein. Il se dégage une petite atmosphère là quand même. Pas piqué d'un ton. Dégage, va-t'en.
tu peux bouger, vas-y. Ça c'est beau, il y a un truc hein. En termes de DA, il se passe des trucs. C'est plus au nez de la tête. Quelle est ma couleur? What's your favorite color? Merci Mukama. Merci pour la force. Le violet. Le mélange du rouge et du bleu. Incroyable. Ok. Ah oui quand même. Attends mais là je vais me battre là? Ah direct. RB pour parer quand l'ennemi attaque. Ça RB. Ah mais on est directement sur le boss final. On peut attaquer. Il a rien à foutre. Ok. Oh mais là mec tu m'as raté. J'ai paré. Le tuto. Ok. Ok. Il est où? Après quoi? Suivre la couleur. LB pour changer de couleur. Ouais. Arrêt dans la même couleur. Quoi? Ah d'accord, faut changer de couleur. Ah ouais, ok. C'est le tuto hein, c'est le tuto. Tuto culor. J'annonce 100 morts pour Eki. Ah ouais là, le jeu est dur hein. Le jeu est pas évident en fait. LB pour changer de couleur, parer les deux attaques dans la même couleur que l'ennemi. Hein? Parer une chaîne d'attaque. Ouais. Ah ouais, faut être vraiment réactif quoi. Ah non! Ah si c'est bon, je l'ai eu. Ok. Je pensais que t'allais me... En fait, non. Ok. Bisous Albator. À tout à l'heure. Oui, il me... Esquiver, B. Ah! Les attaques corrompues. Ça veut dire quoi, une attaque corrompue? Ah, une attaque violette. Putain, d'accord. Ah, trop tard. Faut le faire au bon moment. Le bon timing. Ok. Ah, le gameplay est intéressant. Ouais. Oui. Et moi, quand je le frappe. Ceci est ta barre d'énergie. Pars dans la même couleur que ton adversaire pour la remplir. Ouais. Ok. 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 D'accord. Ah j'ai pas esquivé. Merde, abruti. Pas vu. Ah, j'ai appuyé. Ok. LT. Ah. Ah d'accord, je me charge en fait. En faisant des parades, je me charge. Violet corrompu. Vous savez que c'était bizarre que Samuel Jackson soit le seul avec un sabre violet. C'est pour ça. Tout est lié. Ok. Alors, je remettrai la cam après, mais... Oulala. Ah ceci, ta barre de santé, parée dans la même couleur, te soigne. Parée dans la mauvaise couleur, bloque seulement les dégâts. Ah d'accord, ok.
Très bien. Ah putain, d'accord. J'ai changé, je me suis trompé. Oh putain, mais faut vraiment être réactif là. Hein. Ah. Non. Ok. Très bien, ça me soigne. Ah ok. Je peux pas frapper du coup, il y a aucune attaque. J'appuyais. Ok, de tout ça me soigne. C'est un jeu pacifiste, on dirait. Mais quand même. Paf. X. Pourquoi X? Ok. Stylé. What? Des QTE quoi. Voilà. Attends, quoi? Mais c'est moi ou c'est stylé le jeu quand même? C'est la France! Voilà. Oh là là. Et quoi, il était consumed? Quoi? On sait pas faire que Assassin's Creed 19 hein. Eh oui. C'est pour ça que je suis content de faire des découvertes et de mettre en avant aussi des plus petits studios. Et pas forcément moins talentueux pour autant. Et ça, c'est beau. Bravo la France. Voilà, là c'est pro. Ça c'est pro. Ok, putain mais c'est beau hein, il y a vraiment un truc. C'est à la fois c'est simple. C'est simple et efficace. Mais vous voyez, c'est beau. C'est pas grand chose, il y a pas des trucs, des textures de fifou de partout, mais en tout cas c'est fluide. Le changement de couleur est très voilà, c'est instantané. La parade, elle est. Faut être quand même à la frame. Ah, il y a un arbre. Ok. Quoi ? Appuie sur Y pour pouvoir parer les deux couleurs sans avoir à changer pendant un temps. C'est trop fort ? Je vais penser à Capcom qui a fait un sondage pour savoir quel Resident Evil il devrait remake. Et sinon, à part remake des jeux, vous voulez pas produire des nouvelles licences? Pourquoi? Ça se vend. Dirait-il. C'est quoi ça? Y pour étourdir les ennemis pendant un temps. Ah si, je peux frapper, regardez. Il frappe. Oh, le spoil. Appuie sur Y pour bondir et effectuer une attaque puissante qui interrompt et vole de l'énergie. Splac! Ah, pas mal ça. J'ai envie de prendre ça. Je sais pas, remarque. En même temps, ça c'est pas mal. Paf. Ouais, vas-y, on va prendre le premier truc. C'est bloqué. De toute façon, j'aurai d'autres. Ah, c'est. Ouais. Et, ah, il y a des nouveaux trucs. Plus 30%. Plus 30% de quoi? Ok. Je dois faire. Ah oui. Je dois aller où? Là, je pense. Ça se vend et ça coûte moins cher. Bah bien sûr. Attends, t'imagines, t'as la moitié, les trois quarts du travail qui ont été faits déjà. Après, il faut le créer, mais c'est pas le plus compliqué. À budget similaire... C'est par là? Ah, on est revenu sur la zone... C'est joli, hein, c'est vraiment joli. Hein. Je sais pas comment c'est chez vous, comment ce que ça donne, mais... C'est fluide, c'est vraiment sympa. On le voit mieux en rouge.
super en orange. Du coup, on peut aller là ? On vient de là, c'est ça, hein ? C'est le début là, ici. Ouais. Mais du coup, je dois aller où ? Ah ! C'est plus joli que... depuis que t'as mis la cam, arrête ! Arrête ! Merde, j'ai dû rater un truc là-bas. Faut remonter à haut. Maybe faut remonter haut. Est-ce faut remonter haut? Allez, vas-y, on va tenter la remonter haut. Peut-être que j'étais au bon endroit. Si c'est pas ça, désolé, hein, par avance. Mais c'est pas clair. Bon, c'est ça aussi, on est trop habitué à être... On est trop habitué à être guided. Ah non, on peut pas... Ah oui, d'accord, on peut pas remonter. Donc non, en fait, c'est pas par là du tout. Hein. Mookmook, il fait du charme. Ah ouais, non, mais il arrête pas. Hein. Ah, Mookmook, non, il y a un truc, il se passe quelque chose entre nous. Il y a juste moi qui le sais pas, c'est tout, mais... Aveugleman, c'était juste là, je suis sûr qu'il doit y avoir un truc. Et pourtant non, j'ai collé le truc ici, il n'y a pas eu de... Ah d'accord, il gonfle ses mains. Ah, il gonfle ses mains, c'est rigolo, j'avais pas compris. Et ben voilà. Bon, c'était cool hein. Je pense que c'est pas par là. Hein. Je sais pas où c'est, mais... Ouais, mais c'est un chaud lapin. Tu vois, j'apprends des trucs après. Après, j'apprends que finalement, il charme tout le monde et que... C'est pas que moi, quoi. Je suis un peu déçu. Je suis passé par où, là? Ah oui, aveugleman. Ah, je suis juste aveugleman, quoi. Je suis en mode... Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Y pour utiliser une capacité. Cela coûte un point de capacité. 20 des ennemis pour regagner des points de capacité, d'accord. Ok. Salut! Attaque-moi. Ok. Ah merde! Ok. Et bim! Ah ok. Ok ok. Ouais, c'est facile là. Cause mieux. Bon Mookmook le streamer là. Ça va, ça va, ça va. Non mais un chou lapin, c'est pas péjoratif. Hein. Une réalité. Hein. Il se passe. Ah, il y a un ennemi. Ça c'est quand un ennemi apparaît. C'est un enchaînement d'ennemis comme ça. Ah merde! Ok. Ah, je peux frapper! Ah, maintenant je peux frapper! Pas fait gaffe. Ah. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! C'est quoi? C'est un double de moi? Ah, je suis devenu bleu! C'est un petit jeu, hein. C'est un jeu indé. Hein. Ah! Et ben alors? Salut Bébou. T'es un poteau? En vrai, le perso est stylé quand même, je trouve qu'il a, il a un design assez sympa. Salut empreinte! Attends, je repars, c'est une cinématique. I'm blue, da-da-dee. Ah, trade lights!
Je vous ai pas menti, hein. Je vous ai tellement pas menti. Le début du périple. Pour la peine, si un jour on se voit, je paierai une bière à Bébert, mais pas à toi, hein. Et puis c'est tout. Ah bah super, quoi. Alors super. Comment ça va, empreinte? Alors, c'est pas la bonne tasse, mais ça marche quand même, tu sais. Ok. Quelle est cette diable... Oh là, oh là, oh là, oh là, j'ai pas vu qu'il y avait un trou. Il y a un truc là-bas. C'est un pote? Salut mec. Salut. Ah mais je suis pas tout seul. Il a oublié une chaussette. Ça trigger mes tocs. Oui c'est ça. Salut Mathéoc. Oh Mathéoc des Carpates. Ça faisait longtemps quand t'avais pas vu Mathéoc. Ça fait plaisir de te voir. Est-ce que je peux... Je peux dash? Ah non je... oui. Est-ce que je peux... Non je peux pas dash en l'air. Incroyable. Sinon ça va. Bon parfait alors. Viens voir. Qu'est-ce que je peux faire? Attendez. Une année de fou, j'ai plus le temps de rien. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Eh ben, ok. Salut. Oh, on change de couleur ensemble. Incroyable. Moi aussi, je suis... Rouennais? Rouennais? C'est quoi toi, Rouen? Et quoi? Mon camin. Tu prends en août, le billet monte jusqu'à 150 euros et tu prends en septembre 60 euros. Ça va la SNCF? On vous dérange pas trop? Faut demander ça à Mozza. J'espère qu'il va bien Mozza, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oula, ça rame. Alikoum, ça rame là. Bizarre que ça rame d'ailleurs. Ça ramait pas jusque là. Heureusement que je suis en performance. Je sais pas où je vais là, mais j'y vais. Hein. Eh ben écoute-moi, ça va très bien, merci. Ça va bien, on se fait des petites découvertes de jeux en ce moment. Pas mal de découvertes sympas. Et là, on découvre donc Stray Light, qui est un jeu d'aventure et d'action fait par, par le studio Embers, qui est basé à Strasbourg. Ah, ça manque un peu de fluidité. Peut-être que... Je pense qu'on va mettre ça en... Bon, je vais passer en... Ouais. Ce sera très bien déjà. Ça rame parce que Mokama a débarqué sur le stream. Je dis ça, je dis rien. Il était là avant. Oh non, c'est le jeu, ça marche pas. Mais... C'est joli la musique. Le jeu est vraiment joli. Hein. Comment ça, deux? D'où deux? Doudou dis donc. Ok. Ouais. Ok. Mais non! Ah non, c'est pas ça. Ah oui, je suis pas chargé. Je suis pas encore chargé. J'imagine que je vais pouvoir charger après. Mais! On les connaît pas ces attaques! Ok. Ah, d'accord, ok. Bon, faut que je... Forcément, dans le tuto, on avait des trucs assez faciles. Écoute, ouais, ça va bien, Mathéo, en ce moment. Ouais, je suis parti sur un petit délire d'essayer plein de petits jeux, sans pour autant faire de let's play entier, mais au moins de faire des découvertes de une ou deux sessions, ça dépend. Si la vibe prend bien ou pas. Et voilà, sinon écoute, ça va bien. Après le taf, j'ai beaucoup de travail, hein, que ce soit dans, en psycho comme,
comme pour le stream. Les deux me prennent beaucoup de temps. Oh, il y a des animals. Ça, c'est beau, hein, c'est vraiment joli ça. C'est où? Je viens de là. Allons voir là-bas. J'avais pas vu. Viens. Je peux faire modèle encore un peu, hein. Viens MP, on va faire du modèle en visio. Oh, c'est beau ça. Mais non, sinon bien occupé. Allô? Les animals. Et c'est pas censé y avoir. Il est pas censé y avoir un ennemi là? Ah si, là-bas. Salut. Ok. Ma footman. Tu fais pas peur. Schlack. Et paf la pastèque. Y'a pas de map, donc je suis déjà perdu. Hein. Ça a l'air très souvent... Ça a l'air très souvent très cool. Ça a l'air souvent cool, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on fait des jeux de découverte. C'est plutôt rare que je sois un peu déçu ou... J'essaie de choisir un peu quand même avant les jeux. Même si je les connais pas, mais... Putain, je sais plus où je suis. J'ai paumé. I am pomed. I am already pomed. Oui, on vient de là, en fait. Formidable. Oui, parce qu'on avait vu... Non, pas du tout. Si, c'est là. Là, on avait vu là. Mais quoi, là? Pomed. Already pomed. Ah oui, on pouvait pas aller là, de toute façon. Ah. Ok. De toute façon, on peut pas vraiment se paumer dans le jeu, je suis sûr. Bon, Macro, elle va bien aussi. Elle aussi, là, en ce moment, elle est pas à la maison. Elle est en formation. Et après, elle s'en va quelques jours en Belgique pour aller retrouver sa meilleure amie. On va aller voir les bébous. Eh, bébous, attendez! Attendez, les bébous! Bois! Là, c'est des renards. Des renards biches! Des reniches! C'est des reniches! Non. Bonjour, hein. Ah, c'est tout pipou, hein. Oula, 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 oula! Non! Oula, oula! Ouah, stylé! Trop stylé! Oula, au secours, au secours! Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Où ça? Où ça? Il est là. Ah merde, j'ai pas esquivé au bon moment. Faut le frapper en fait? Putain, il est... Merde. Ah. Ok. Il est où? Ah, il est horrible lui. Oh putain. Allez, bim. Ok. Ouh, j'essaie de me concentrer un peu parce que... Mais sinon elle va bien, ouais, ça va. Ça va, ça va. Elle est contente aussi de partir en Belgique un petit peu pour rentrer dans son fief. Aller voir sa copine. Ça fait plaisir. Je viens d'où? De quelle étagère? Secours, des bleus. Ah, je savais, j'ai vu. Le cabinet aussi, ça va, ouais. Enfin, il faut pas que les patients aillent trop bien non plus. Ouais, non, mais c'est un business le truc, je te jure. Hein. Il faut vraiment qu'ils aillent à la fois... Il y a eu un truc? Ah non. À la fois mal et bien en même temps, quoi. Je te jure, hein, c'est compliqué, hein. Ok. Ah merde, il fait une double attaque. Oh là putain. J'ai le temps de changer. Ah, ça devient beaucoup plus tendu quand même là. Ça devient plus tendu. Tu t'es trempé de mots, je pense que tu voulais employer ses clients. Non, non, non. Ah, pas mal. Et franchement, c'est vraiment joli, hein. Vous voyez le petit côté Ori? Ok. J'aime ce côté fluide. Ah. Au secours? Ah oui, au secours.
Gros au secours. Méga au secours. D'accord. Ça promet. ça sent le boss de la zone. Y'a quoi ici? Hein? Y'a un mob qui est apparu? Il est où? Là. Tu fais... Ça va pas ou quoi? Putain, j'ai pas eu le temps d'esquiver. J'ai vu trop tard que c'était... Mais putain! Ok. Et je me trompe de bouton. Ah. Je suis cané. Ok. Ah oh non, j'ai barré là. Qu'est-ce que tu fais? Ok, je me régène un peu. Allez, c'est bon, je suis pas mort. Au secours. J'ai oublié ce détail sur Crocro, la Belgique. Ah bah bien sûr, c'est pas un petit détail en plus. En pratique oui, mais c'est pas fair. Je vais bientôt canner, et non pas encore, mais oui ça va arriver bien sûr. Bien sûr que ça va arriver. Attends, il y avait un truc là-bas quand même. Je suis aveugle man, mais pas à ce point. C'est quoi ça hein? C'est marrant parce que c'est à la fois pipou et difficile. C'est plus, le jeu est plus dur qu'il en a l'air. Allô? Pourquoi? Tu vas le prendre? Ah si. 3 sur 6. Est-ce que tu sais nager, Jean-Jacques? Oui. Pas très bien, visiblement. Ah Non, il sait pas nager. Première mort. Le nagging. Ok, le nagging... Le nagging m'a eu. Dommage. 4 sur 6. Mais comment ça? J'étais pas à 3 sur 6. Je peux tricher? Je peux mourir en boucle ici et... Je crois que j'ai canné. Oui, je crois aussi, Marie. Je crois que Guillaume m'a inspiré. Un peu trop, même. Un petit soubresaut, mais ah, c'est beau. Et c'est vraiment joli, hein. C'est très très joli. La musique, en plus, c'est vraiment sympa. Ah non, ça rame du cul. Ok. Donc, je passe en 1080p, hein, mais ce serait dommage. C'est beau, hein. Ouais, je pense que Morty, oui, t'es le public, toi. Ah non, c'est... Oh, j'ai appuyé. Ma gueule. Fous ma gueule ou quoi? J'ai 9 trucs là. Je sais pas à quoi ça sert, c'est que truc. Je peux monter là? Ouais. Ça va bien, beaucoup de travail et mon ancien prof est malade donc je gère son école en ce moment. Ah ouais, rien que ça. Rien que ça, Mouk Mouk. Allez, bébou. Est-ce que c'est comme dans Hogwarts Legacy là? On va les attraper pour les mettre dans des cages. Des méga cages magiques, certes, mais... Et on peut faire des câlins? Oui! Oh oui! Meilleur jeu du monde. Bon bah oui, mais là... Et toi, Mathéo, en tout cas, tous tes projets avancent bien? Comme tu le voulais? Ou comme tu le voudrais? I hope so. Ah, il y a des poteaux là-haut. Et les gars? Par contre, je sais pas nager. Non, non, non. Non, reviens, reviens, reviens. Ouf. Erreur. Il meurt dans l'eau et il y retourne juste après. C'est-à-dire, on va pas faire de la plateforme jusqu'à vous, hein, désolé. Hein. Tant pis. Tant pis. Les trucs là? Je sens qu'il y a une petite boule. Une petite boule. Non, c'était peut-être le chemin en fait. Ah non, si, il y a une petite boule. Voilà. Ah,
Ah, dommage. Oh non. Mais non, je me suis trompé. Où ça? Ah, par contre, ça va pas le faire, ça. Mais j'ai appuyé. Non. Il est où? Là. Ah, j'ai appuyé aussi, mais là, je voulais voir si je pouvais le contrer. Hop là. Ok, ok, ça vient petit à petit. Donc, je donne déjà cours dans son école depuis un moment. Il m'a laissé les clés le temps d'une semaine. Ah ouais, quand même. C'est beau, ça. J'ai dû ralentir certains projets. Il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue, déjà. Et pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Là. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. D'accord, Léa. Bonjour, Léa. Ça va? Apparemment, je suis plus méchant que mon prof. Ah bon? Toi, t'es méchant, toi? Arrête. Je sais pas de quoi il parle, quoi. Je crois, on peut aller en bas, là? C'est une erreur. Non, je pense que c'est une erreur. Comment ça va, Léa? Que d'infirmières, ici. Est-ce qu'on peut descendre? C'est marrant parce que des fois, il y a des paires de framerate. D'un coup, tu sais pas trop pourquoi. On peut aller dessous? C'est une connerie. Attends, mais il y avait un mec là-bas. Il y a un pote. Il y a un poteau. J'ai envie de descendre, mais je sens que c'est la baise. Non, non, je pense que c'est pas fait pour. C'est juste le décor comme ça. Ok, ça va bien, ouais. Ça va bien, écoute, on découvre un petit jeu sympa. En fait, bon, si ça rame un peu de temps en temps, c'est pas très grave, mais il faut pas que ça rame sur les combats, quoi, c'est tout. Au moins, il faut être très réactif, ça va pas le faire. Par contre, les effets de lumière sont vraiment sympas. C'est très très beau. Très joulé. Toi, vous, c'est vraiment très jeuneté. Je sais pas pourquoi ça rame d'un coup, là. Ah, moi, la fluidité, c'est trop important. Et là, bam! Une arène de boss. Qu'est-ce qu'il y a là-haut, là? Il y a un truc là-haut, là. Oh là! Salut! Ça va, sinon? Oh là! Ah bah d'accord, je l'ai fait trop tôt. Ok, ok. On la refait. Ok. Il veut jouer avec moi. Eh bébé, tu veux jouer avec... Non. Non. Excellent. J'adore. Au secours. Il a l'air trop sympa. What? Il m'a défoncé. Ah, trop tôt. Putain, je le fais trop tôt. En fait, il a pas l'air méchant. Il veut juste jouer avec moi. Arrête, non. Faut que je me soigne. Oh merde. Au secours. Ok. Oh mes potes, vite fuis. J'adore. Ok. Boîte. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir la dernière, dommage. Et merde. C'est trop trop cool, ouais. Les animations du boss sont super cool, ouais, carrément, hein. J'arrive pas à la voir la dernière. Merde. Ah si, je crois que je l'ai. Si, je l'ai paré la dernière là, cette fois.
Il va me faire une attaque. Oui. Non mais je suis pas. Non mais arrête. J'arrive pas à le chauffer. J'ai paniqué. Voilà, là c'est pro. Ah non, j'ai appuyé. J'ai appuyé. Promis, j'ai appuyé. Ok. Mais t'es pourquoi on l'a vénère. On l'a vénère, il voulait juste jouer avec nous. On était sans jouer. Au secours. Oh là là, en soi c'est pas... Ah ça y est, vous êtes parti avec l'URSSAF là. Ok, on n'est pas mort, on n'est pas mort hein. On va dire que si on s'était pas noyé comme un con, on serait pas mort hein. Vous avez noté hein, pas mort. Par contre je sais pas du tout d'où j'arrive. Par là ? Faut aller par là ? Maybe. C'est un no hit, bien sûr. Bien sûr. J'aurais peut-être pas dit ça quand même. Hein. Mais presque. What ? Oh non ! C'est un gros bourrin en fait. Ah, le gros bourrin. Doucement, doucement là. Ah oui, c'est vrai que je peux dash. 6. 5%, tous les gains d'énergie. Niveau d'affinité. Ah, d'accord, ok. Ok, étagère. Où toi j'allège. En bas, il y a un truc. Eh, il y a deux boubous là en bas là. J'imagine que je peux aller là. Ok. C'est féerique et oppressant. Possible ça? C'est possible. Ah, double. La doublette. Oh, la belle prise. Donc il y a des collectibles là, évidemment, c'est... C'est une petite facilité de gameplay pour augmenter le temps de jeu. Bah, il dort? Il est mort? Ça va? Bah, c'est vraiment une drôle potion pour faire la sieste quand même. Hein. J'avoue, je pense que vu comment il éclaire plus trop le monde. Où est-ce que tu es? Où es-tu? Paf! Je me demande à quoi ça sert quand même tous ces trucs. Dans quelle étagère? Attends, je suis arrivé d'où là? Non, je suis arrivé de là. C'est par là. Le jeu l'est bien? Bah franchement, jusque là ouais, peut-être t'as raté un boss là qui était très stylé. Juste le boss, il y avait un petit bug, il y avait un boss juste avant avec des animations de gorille, on aurait dit un gorille. On sait pas trop s'il est mauvais ou agressif ou pas, en tout cas c'est un gros bourrin, ça c'est sûr. Et hop, ça dégage. J'ai pris un coup quand même. Ça plaît à Akiro ça. Akiro il aime bien les jeux de rythme. C'est un peu un jeu de rythme hein, quelque part. Je regardais de loin, j'étais dans ma douchette. Ah ouais, on est venu dans la douche avec toi. On n'a pas signé pour ça. Hein. C'est beau hein, en tout cas, c'est très joli. J'ai déjà dit? Ouais. Je vais y aller aussi d'ailleurs, d'accord. À la douche ou... On va pas tout savoir, hein, si? Si. Ok. Bisous, Marie. À bientôt. Merci d'être bien venu. Bon courage pour le travail. Hop là. Marise. Enfin, Marise.
Et la musique, pardon, mais la musique quoi. Personne ne dit rien, mais la musique. Hein. Il va revenir là. Il va revenir le boss. Ah non. Ça faisait très arène de boss quand même. Ça alors. Oh non non non, d'accord, ok. On peut pas passer par là. Pas trop demander au jeu quand même. C'était pas par là visiblement. Et je vais retourner bosser un peu. Je vous fais des bisous mon camin. A bientôt. A bientôt. À par là peut-être. Les passages secrets, je sais pas trop, je crois pas. J'ai pas l'impression, mais j'ai peut-être pas les yeux pour les voir. Attends, mais il est juste là-bas, il est énorme. Il est énorme, je le vois pas. Comment est-ce possible ? Tout simplement. Eh hey, bébou. Bouhou. Ah. Deuxième phase. Oula. Comment je fais pour... Et quoi? Je fais comment moi? Faut esquiver derrière moi. Ok. Aïe. D'accord. Je suis pas prêt. Ok. Ah, trop tôt, dommage. C'est stylé, hein. Vraiment très très stylé. Hein. J'adore. Et du coup, il nous attaque, mais en fait, on dirait qu'il s'amuse. J'imagine que ce sont des animaux qui ont été transformés. Arrête de jouer avec les. Arrête de jouer avec la nourriture. Quoi ? C'est raté là, bébou, tu sais plus viser quoi. Tu vas où là? Putain. J'adore. T'as dépassé la tolérance au premier trimestre? La tolérance au premier trimestre? Ah oui c'est ça, mais par rapport à l'école. Ah c'est possible. Quel courage somme commun. Ah non, j'ai appuyé. Un peu trop au dernier moment. J'avoue. Okay. Oh non, non, dommage. D'où dis donc? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allô? Ah dommage. Tiens. Ok. C'est stylé, c'est tellement stylé. Attends. Ah. Embers. Le dev du jeu est basé à Strasbourg et est composé de 9 personnes fondées en 2019. Tout à fait. Alors j'étais pas allé jusqu'à le nombre de personnes et la fondation du jeu, c'est leur premier jeu je crois, hein. Embers. Il y a un S à Embers. Ah ah. Oui, j'ai dit ouais, c'était un... Au début du jeu, ouais, j'ai expliqué que c'était un studio français qui venait de Strasbourg. Premier jeu, ouais, c'est leur premier jeu. Pas stylé. Bravo. Neuf personnes, c'est pas beaucoup, ouais, non, tout à fait, ouais.
commence à se corser cette histoire. C'est dépend du contexte. Je veux pas savoir. Mais c'est vrai. Eh bien sûr, bien sûr. Quoi ? Mais non, mais d'où ? Ok. Merde. Eh merde. Un peu plus compliqué là. Ah, oh non, pas comme ça. J'ai glissé, chef. Ah, contre deux, c'est un peu chiant, ouais. Là, j'avoue, c'est un peu chiant. Ok. Ok, on la refait. Il y avait quoi là-bas? Et quoi ici? Ah, je peux les éviter. Si je veux, je peux les éviter. Moi, je peux les éviter. Quoi? Ok, vas-y, on la refait. Chaton, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens toujours quand il y a des boss, toi. T'aimes bien quand il y a des boss, hein, c'est ça? Allez, viens. Oui. Bah oui. Il aime bien débarquer quand il y a des boss. Ça m'a l'air un peu au secours les objectifs. De quoi? Au secours les objectifs? Quelle est cette phrase étrange, Albator? Que voulez-vous dire? Dans quelle étagère? Est-ce qu'on peut éviter ça? Comme ça? Non, pas comme ça. Visiblement pas comme ça. En mode tête la première? Non, ça marche pas. Ah bon? Doudou dis donc. Ça a l'air un peu obscur, les objectifs. Ah oui, non, les objectifs, par contre, c'est à la zeub. Hein. Là, on te dit rien. Hein. Oh, mais bah regardez-moi ça. Regardez-moi ce câlin. Regardez-moi ce câlin. Bah oui. Oh là là. À chaque fois qu'il met sa tête comme ça dans le creux de mon bras, là, moi, je fonds. Je fonds. Alors, à la base, je voulais aller là. J'aurais pu les éviter, mais je ne les évite pas. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs? Est-ce que j'ai raté des petits secrets. Enfin, il y a des mini-secrets, en fait. Je me demandais s'il y avait des passages secrets. Pas vraiment de passages secrets, mais il y a des petites zones un peu cachées. Qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas cet ennemi. Si? Je connais cet ennemi? Ah si. Ah oui, d'accord, ok. J'ai oublié. Je vais tomber! Je suis en train de tomber! Oh non! Ah, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe, non. Dommage. Ok. Oui! Oh! Oh! Oui, oui, oui! Eh oui! Eh oui! Ok, raté. Photo! Non, ça va. Oh non, j'ai appuyé, mais j'ai pas esquivé au bon endroit. Bon, c'est pas grave. On l'a eu quand même. Bah le jeu... Ah mais non mais il les tue tous là. Il les tue tous un par un là. Non mais c'est plus drôle là. Il commence à me saouler Michel là. Allez ça suffit maintenant. Laisse les bébous là. Eh oh. Non il en a marre là. Okay.
Merde, j'ai changé de couleur, mais j'aurais pas dû. Alors, je me soigne pas, mais... Non. Oh putain, le bâtard. Il m'a mis tellement cher. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ah. Ça vous fatigue, déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je sais pas. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Ok. Ok, ok, je me tais, hein. Ah, dommage, j'ai failli l'enchaîner là. C'était le no hit. Paf. Allez, boum. Ah non, pas. Arrête. Arrête de jouer avec les bébous là. Je suis chargé d'énergie là, non, c'est ça? Bon maintenant ça suffit, tu te calmes, hein. Ça, c'est un copain. Toi, arrêtez de casser. Voilà. Ah bah alors. C'est comme Deagle. Ah voilà, c'est bon. Mais où il est toujours... Il a l'air, en fait il a pas l'air méchant. On aurait dit un gros singe qui avait pété les plombs, quoi. Un peu comme Deagle qui pète les plombs des fois, hein mon chaton. Oh là oui, oh là là, ouais, non, 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 ça c'est un câlin. Ça. Le pouvoir de l'amitié, oui. Voilà, c'est bon, on l'a sauvé. En fait, c'est nos potes. Nos potes qui ont été corrompus. Visiblement, hein. Ah. One level. C'est quoi ça? Souvenir. Souvenir, souvenir. Ok. Ah mais c'est les challenges, on peut recommencer peut-être? Oh c'est quoi? Ah oui d'accord, ok, les... Ce qu'on récupère là... Oh là là. Bah alors. Bah alors. Alors attends. Coup 8. Ah mais on pourra en prendre que seul, qu'un seul du coup. À un près, dommage. Je peux débloquer un truc dont je ne me sers pas. Par contre, je... Attends, c'est quoi? Bam! Étourdir. Ah si, c'est fort quand même. Ah si, c'est fort ça. Ça, je vais le prendre, ça. Étourdir, c'est cool. Alors, attendez. Maintien RB pour charger. Une fois après, relâcher pour parer. Donne plus d'énergie en cas de succès. Ah! Ah! Peut-être si on est greedy. Santé maximum plus 20%. Ah ouais, pourquoi pas. Et il y a un truc supplémentaire en dessous. Ok. Appuie sur RT après avoir paré correctement une chaîne d'attaque sans subir de dégâts pour effectuer une contre-attaque. Ah. Intéressant. Point de capacité plus 1. Ah oh oui, c'est fort ça. Maintien RT pour effectuer une attaque puissante qui frappe plusieurs ennemis autour de toi. Non, vas-y, remets-le. Bam. Schlack. Il aime bien qu'on lui tapote le cul, hein. Vous le savez. Si vous connaissez pas Deagle, sachez que c'est un chat qui aime bien qu'on lui tapote le huc. Là, il kiffe, là. Je comprends pas, moi. Crocro a essayé de me faire ça un jour, j'ai vu que quoi. Il m'a dit, ah, c'est pas comme Deagle. Ok, je note. Elle a sorti son petit carnet, elle a noté. En effet. Petite prise de catch, là. Pardon. Il en a absolument rien à péter, hein. Je pense qu'il sent mon intention qui est proche du néant. Ma mauvaise intention proche du néant. Donc bon. RB pour charger une fois relâché pour parer donne plus d'énergie. Je partirais bien là-dessus, en vrai. Soit... Non, non, chaton, non. Non, on tape pas sur la manette avec sa tête. Appuie sur RT. Non, ça me plaît moyen. Ça, je vais prendre ça. Allez, hop. Ça c'est fait. Ça, on va en avoir bientôt des points. On peut faire ça que entre les zones du coup. Est-ce qu'il y a une nouvelle zone d'ouverte? Je sais pas. Non. Oui. Sélection de capacité. Comment ça? Quoi ça?
qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est la capacité... attends. Ah oui, il y a étourdir. Ah, étourdir. Ah, je peux en avoir 3, d'accord. Ça, c'est étourdir ? Oui, c'est ça, ça c'est étourdir, ok. Ah merde, j'utilise toutes mes capacités pour rien. Du coup, il faut que j'aille... c'est pas clair. J'aille là ? Faut que je retourne là ? Ah oui, d'accord, on retourne dans le hub. Donc on est allé ici. On n'est pas allé là-bas, visiblement. C'est peut-être d'ailleurs, normalement, le premier endroit où on est censé aller. Potentiellement. Tellement que c'est... Tellement qu'on voit que ça. Salut ! Voilà, je saute trop, je contrôle pas. Social terminé, d'accord. Tu changes pas de couleur ? T'es pas sympa, toi. C'est pas très coopératif. Il y avait pas une ombre là. Il me semble bien qu'il y avait une ombre bizarre là. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Ah, ça me montre les endroits où je suis censé aller, c'est ça? Ah d'accord, ok, c'est un genre d'objectif. C'est pour ça que je me disais, ça devait être le premier endroit où j'étais censé aller, je pense. Et là, il se passe rien, c'est ça? Non, pour l'instant, c'est pas encore ça. C'est vraiment, c'est très stylé, il y a vraiment une DA qui accompagne bien le jeu. Je comprends pas tout, mais c'est pas grave. La vérité, c'est pas très grave. On peut aller là, visiblement. Ah! Un machin truc. Et de deux. D'accord. This is the last one. Peut-être que j'ai vraiment récupéré le premier truc de la première zone. C'était peut-être le bon bail. Ah bon, bail! C'est quoi ici? Salut Bébou! Qu'est-ce qu'il y a? Alors, t'as peur? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de là en fait ou quoi? Comment ça se passe? Ah! Ok. Petite ambiance là quand même. Hein. C'est un peu glauque hein. Ah, il vient avec moi? Ça va? Ben oui, ça va. On joue à pierre, feuille, papier, ciseaux? Pas du tout. Hop là, retour en arrière, impossible. La glissade. Même pas. Le 4. Les environnements sont un petit peu vides. Un petit peu, ouais. Bon là pour le coup c'est vraiment... Je pense qu'il y a un effet... Qu'est-ce qu'il y a? Non. On est dans les grottes de la Moria. Attends Michel! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il flippe? Il fonce? Il fonce dans le tas? Je peux rien faire, hein, c'est la cinématique. Mais poursuis-le. Et paf la pastèque. Mais je peux pas... Je dois descendre par là? Je peux pas aller là? Ah oui, parce que moi je peux pas rentrer là. C'est trop. Oh non, quel dommage. Je peux pas du tout creuser le sol. Bon, c'était juste histoire de dire, maintenant t'es tout seul.
Est-ce qu'on connaît ses ennemis? Oui, on connaît ses ennemis. Bonjour. C'est vraiment très... C'est très réactif. On peut vraiment, même en pleine attaque, on peut changer de couleur. Vous voyez? Je suis même en train d'attaquer et je peux changer de couleur. Il n'y a pas de cooldown de... ou de... Ah non, si t'es attaqué, dommage, tu peux pas changer de couleur. Ah oui, non, genre voilà. Les FromSoft quoi. Le plaisir des FromSoft. Je pense que ça c'est la suite. Ok, j'irai peut-être d'abord à droite là. Ça manque de brume cachée, de brume cache misère pour le décor. Peut-être un peu. Ouais. Après. Ah. Et ça dégage. Ok. Easy. Ce jeu, il est facile. Retourner dans ton fort intérieur pour améliorer ton personnage. Ah, ok. Depuis le début, j'aurais pu faire ça. C'est vrai que j'ai même pas testé les boutons, quoi. Donc ouais, c'était bien. C'était bien pas du tout la suite ici. C'est bien normal. Petite méditation. Star Wars. C'est Stylex. Donc là, genre de TP quand je me TP. Ah mais c'est vraiment cool hein. Mais c'est, il y a plein de très bonnes idées hein. Attention hein, attention, attention les bonnes idées là. On avait dit quoi? Bam. C'est pour charger donc à mon avis c'est pas inactivable. On peut se mettre un peu de vie remarque hein, sinon on s'emmerde pas. Bam. Bam. Pour apparaître correctement une chaîne d'attaque, non ça ça me plaît moyen. Vas-y on va mettre ça. On va mettre des dégâts. Des dégâts de Dengus. Donc là normalement je retourne. Bonjour. Hola, salut CMK. Comment ça va? Hola, hola. Bah écoute, très très bien ouais. Ah, on recommence au début? Ah, on retourne au début. On retourne pas là où on s'est TP. Ah ça c'est quand même important parce que... Attendez, mais est-ce que là les ennemis ils sont de retour ou ils ont été tués? On est d'accord que c'est finish là. On a récupéré le... Oui, ok. Ah ok, bon faut faire gaffe à ça parce que si on doit se refaire, on doit se retaper tout un niveau... Petite méditation juste avant la fin. Ah, dommage. Peut-être un point de sauvegarde. Peut-être qu'il y a des points de sauvegarde quand même. J'ai cru qu'il allait pas s'accrocher. Jésus Marie Giuseppe. Je connais pas eux. On les connaît pas. Je connais pas. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Ok, ok, t'es rapide. Il est rapide. Le temps de j'ai paré au bon moment mais j'ai pas pris de dégâts. C'est ça, c'est l'essentiel. Ah là, par contre j'ai rien fait du tout. Dommage. Ok. Ok. Une fois n'est pas coutume, CMK on découvre un nouveau jeu. Il est vraiment très stylé. Ah mais t'étais là toi. Bah c'est bien la peine. C'était pas forcément le meilleur chemin là hein. T'as dit que je te fasse une papouille, non? On peut pas? Non. On dit comme ça, ça fait bizarre mais tout à l'heure on pouvait interagir avec lui. On peut plus là.
C'est quoi comme jeu? C'est un jeu d'aventure. Tu vois, tu prends Ori and the Blind Forest, tu prends un peu de Sekiro, t'enlèves tout le truc japonaisé. J'en ai vu un Mimi sur un stream qui pourrait te plaire. J'adore Ori. Bah, tu vois, il y a un peu le style, on va dire, la DA un peu oriesque, on va dire ça comme ça, mais avec un peu moins de moyens quand même, parce que c'est un studio français qui a fait le jeu. Et ils sont visiblement neufs. Donc, voilà, je pense que dans les studios qui ont fait... on peut interagir avec Bebou, il me semble bien. Et tu rajoutes un peu un petit côté Sekiro, mais alors plus dans le gameplay. En termes de parade. Je travaille sur les parades et tout ça. Donc là, on incarne donc ce personnage qui... je sais pas trop ce qui se passe, hein. En vrai, j'ai pas très bien compris le... J'ai pas très bien compris l'histoire. À quoi ça servait de faire ça? Pourquoi on est allé là? Ça servait à quoi? Alors qu'on pouvait sauter là, non? Ah, c'est pour Bebou peut-être qui nous suivent. Le jeu, c'est Bread and Fred. Bread and Hans Fred? Tu devrais check, ok. Coucou ma crocro. Attendez. Non, c'est pas ce papier là, putain, j'ai trop de papier. Trop de papier! Bread and Fred, d'accord. C'est quoi comme style de jeu? Bread and Fred, ok. Ah! C'est deux pingouins reliés. Oh my god! Allez, viens, t'inquiète pas, y a pas de problème, monte sur mon dos. Tu dois en balancer un pour monter. Oh mon dieu. Ça a l'air... Oh là là. C'est joli quand même. En fait, les effets de lumière sont assez réussis. Bravo les gars. Bon, les gars, il n'y a peut-être pas que des gars quand même dans l'équipe sur les 9. J'espère qu'il y a une petite parité ou pas. Pas obligé. C'est très joli. Hein. C'est beau. Hein. C'est très joli. Tout à l'heure aussi, l'environnement était plus... était plus pas pareil, mais non, mais il y a un truc, hein. On sent quand même que s'ils avaient pu, ils auraient fait des textures, voilà, d'autres petites textures. Il y a des choses un peu grossières, quoi. Même, tu vois, même ces plantes là qui bougent, bon, il y a un truc bof, y a un truc un peu bof, mais c'est complètement, c'est ok, quoi. Pas de problème. C'est même pas une critique en réalité. Très joli, le jeu assez exigeant quand même malgré tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Arachnophobe, accrochez-vous. Va-t'en. Va dans la toile d'araignée. Il va se faire choper lui. Ah bah super! Point de repli. Proche de zéro. Ah non, Bebou! Ok. On va essayer de le sauver alors. Et on va essayer de se sauver aussi. Ça va. Direct. On l'a défoncé ou c'est moi? Ok. Moi je dis pas non hein. 8 sur 10. Eh, ça va vite hein. La vérité, ça va vite. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y avait un truc caché. 9 sur 10. Ah, il y a un ennemi qui est apparu quelque part. Genre par exemple ici. Oh là! Eh oh, oh, oh! On voit pas grand-chose là par contre. Donc il faut que j'ai la bonne couleur et que je pars au bon moment. Si j'ai pas la bonne couleur, je peux parer l'attaque. Si je pars au bon moment, je perds pas de dégâts, ce qui est déjà pas mal, mais je me soigne pas. Là, je me soigne. Je peux l'attaquer aussi.
putain. Allez, au bout d'un moment, on... J'ai jamais acheté de Street Fighter, j'hésite trop à prendre le 6, c'est vrai, il a l'air cool. J'ai pas trop regardé de... Pas trop regardé de live sur Street Fighter. Après bon, les jeux de combat, c'est pas trop mon kiff. Merde. Eh ben, mais j'appuie. Non, pas du tout. Et merde. Oui, d'accord. STP, ils sont chiants. Bah, non, j'étais loin là. Ah, tu t'es pas TP au bon, hein. Je sais pas s'il a pris son coup. Il est où? Là. Voilà. Hop là. Là c'est à moi ça. J'ai toujours été nul. Alors... pourquoi pas test en bonne et due forme, JPP. Bah moi je suis nul aussi hein. Sixième, je suis vraiment très très nul au jeu de combat, c'est frustrant de ouf. Oh là, l'animation des araignées là. Oh non. Non. Ah non, là ça va pas. Peut-être c'est difficile à animer des araignées. Ah non, les araignées ça marche pas là. Et là... Paf la pastèque. Team touche à tous les boutons. Ah ben... La même. Et le problème c'est que si je joue à des jeux de combat, en général c'est contre quelqu'un. Oula. C'est contre quelqu'un et en général je joue avec des gens qui appuient sur tous les boutons. Et ça m'énerve du coup parce que moi j'essaye... Enfin, j'essaye d'abord de faire des combos et puis quand je me fais tartiner le cul par quelqu'un qui appuie sur tous les boutons, du coup je finis par appuyer sur tous les boutons et du coup je me dis ça n'a plus aucun intérêt. Voilà, c'est tout. Ah, qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Encore un bébou qui a peur quoi. Ah, il a l'air vénère. Il est un peu vénère là. Comment j'évite ça moi? Ah ok, faut pas être dans les zones. Ok, j'ai pas vu qu'il y avait des zones. Waouh! Putain, mais c'est un catcheur! C'est un catcheur! Ok, super! Ok, faut que je regarde les zones. Les zones. Les zones. Putain, c'est stylé! Et il fait la capoeira ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il fait de la capoeira. Ah putain, j'ai pas dash, j'ai dash trop tard, dommage c'était ça. Ah merde, j'ai pas dash non plus. C'est bon. Il va changer de couleur au dernier moment, je le sais. Je le sens. Je sentais. Tu parles de qui là? Tu parles du mob là? Le mob chérie. Je sais pas ce que je viens de dire mais je parle du boss. True story. Est-ce que je peux le stun? Ouais, je l'ai stun. Ok. Il m'a bien repoussé. J'arrive pas à l'éviter ça. D'accord. Non mais reste pas là mec. Dommage. On sait très bien que tu vas pas attaquer en... C'est parti. Ah, flapastèque.
Vraiment, on est un luchador là. On a vraiment un système de combat de luchador, on dirait. Ok. Et notre pote, il est où? Notre bro? Notre bro, il est où, notre bro? Bon, c'est pas grave. Bon, par contre, on first try un peu tout là. À part la mer, à part l'eau. On est mort dans l'eau. Ah, t'es ridicule. Ah oui, quand je charge, je peux pas... Ah oui, ok. Ah, par contre, ça annule pas. Ok. C'est bon à savoir. Ah, j'ai peur de me... Ouais. J'ai peur de me TP dans le menu là, faire une petite méditation parce que j'ai pas tellement envie de me TP, de devoir tout me retaper quoi. Et hop là, 10% sur tous les gains d'énergie. Mais c'est de revoir ou c'est pas de revoir? Il est de revoir. Ah, les araignées quoi. Il faut forcément qu'il y ait des araignées dans les jeux ou comment ça se passe? Je pense que le jeu va fonctionner au prochain redémarrage. Pourquoi tu fais ça? Ah, pourquoi tu fais ça? Non, non. Et merde. Il est pas tombé. Visiblement, il est pas tombé. Et merde. Non, pas lui! Trop tard, trop tôt. Putain, c'est dur. C'est vraiment dur, hein. Ah, mais je peux les stun. J'avais oublié que je pouvais stun. Ah, c'est un peu dur là, j'avoue. Les deux là, en fait, arriver à gérer, le problème c'est que quand je suis dead, merci, merci chérie, merci de le notifier, c'est gentil. Et merde. Mais putain. Mais putain, je peux pas l'éviter ça. Ok, je vois pas en fait. Le problème de la caméra. La caméra elle est cool mais elle me permet pas de voir ce qui va se passer. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, je pouvais me cacher derrière un mur. Ah, t'es toujours dans un biome rocheux et qui, où le jeu a d'autres biomes, forêts, etc. Je sais pas. Là, c'est le deuxième biome que je vois. Trouvez-vous que je prends trop de temps entre chaque question? Rare Quiz, c'est du génie. Je regarde le burger de la mort, quoi. Tu parles de... Je peux marcher, là? Ah oui, je peux marcher. Évidemment, il s'est barré. Il est où? Ok. Allez hop. Faut que j'utilise mon stun là. Je sais pas s'il y a... Ouais, je pense qu'il doit y avoir des biomes un peu différents. J'imagine.
Hop là, ça c'est pour moi. Je viens de DL la démo de Lies of P. 20 gigas la démo. Ah bah ouais, t'imagines le jeu. J'imagine même pas le jeu. Je viens de là. Nous allons là. Rikiki. Comment tu vas? C'est Rikiki 20 gigas, ouais, t'as raison. J'ai l'impression que la... C'est pas vous, la luminosité elle est un peu basse là. On peut pas... On peut pas faire... Mieux là? Je sais pas si c'est enregistré. Merde, je crois que... Je crois que je me... Je crois que c'était ça, non? Mais c'est ça. Appliqué. Attends. Ah d'accord. Ça c'est... Ah ouais d'accord, ok. Non. J'ai cru que le truc Fidelix là, je sais pas quoi, il était activé. Non, moi j'ai... Je suis chez Nvidia, ça marche, ça va pas le faire. En déplacement sous les orages de la région PACA. Il y a les orages là en ce moment? Dans 3 dodo, la Belgique. Oula! Salut les araignées! Je viens les collines juste avant. Ça, c'est fait. Il y en a 12 à récupérer pour le prochain niveau. Ouais, elles vont bien sortir de leur cocon, là, les araignades. Ah oui, bien sûr, je voulais courir, en fait. Mais c'est pas tout à fait le même bouton. Voilà. Mieux. Elle est là ? Non. Un ennemi ? Ça ? Il est où ? Il est en bas ? Pas de problème, hein. Mais, allô ? Mais c'est quoi le problème ? Bien sûr. C'est du loot, hein. Tout loot, tout loot, hein. Moi, je prends. C'était par où? Par là? Pas du tout. Merde, je sais plus où c'était. Je suis descendu, j'aurais pas dû descendre. Ouais, qu'est-ce que je fous là? Trompette. Changer. J'aurais pas dû. Au revoir. Et de 12. Ah, je peux changer. Oui, mais je vais pas revenir ici. Bon, vas-y, on va essayer. Ah non, mais il fallait juste que je réappuie en fait. Ah, je suis sûr que c'est ça. Là, forcément, je vais au début. Oh, mais quel teuteux. On peut remettre, on va se mettre un peu de vie supplémentaire. Ça permettra de tenir plus longtemps. Et les bonbons sûrs. Est-ce que quelqu'un connaît cette expression? Les bonbons sûrs. Et là, j'appuie là. Ah, c'est pas le bon. Et comment je fais pour retourner? Ah non. Fais pas ça, chérie. Mais c'est toi qui dis ça. Je pensais que tu voulais lancer le débat, moi. Où suis-je? C'est par là? Je viens d'ici? Et
merde, je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a, Bébou? Tu viens voir maman? Je sais pas. Ah, je viens de là. Ah non, ça va, ça va. J'ai pas été trop loin. En même temps, tout à l'heure, on était vraiment au début du biome aussi. C'est peut-être pour ça qu'on nous a ramené au début du biome. Je pense que c'était les... Y a pas de débat, ça existe. Oui, c'est vrai, ça existe. Le mot sûr existe. True story, bro. Ok. Eh ben alors? Ça va? Bah alors? On me fait attaquer. Mais attends, la démo est tellement bien optimisée, je suis en ultra avec DLSS activé et je peux faire des alt-tabs sans problème avec Opera ouvert et le jeu est magnifique et fluide. Waouh! Une belle démo. Bah oui, ça va, mais dis donc, c'est troisième câlin dans la soirée là. Troisième câlin. Ouais, mais qu'est-ce que tu fous? N'importe quoi. Il a dash. Une démo qui donne envie, des devs qui ont compris. Bravo. C'est beau ce que tu fais. Ça rime et tout. Ok. Bah oui, c'est ton bébé. C'est la démo de Lies of P. Un sous-like. C'est là, assez stylé. J'ai pas laissé appuyer. J'ai pas laissé mon doigt appuyer sur le bouton B. Bravo. Ah! Ah! Oula! Toi, t'arrives toujours sur les boss, hein? T'aimes bien te trémousser sur mon bras pendant que je fais des boss. Formidable. Ah! Oula! Il est un peu énervé là. C'est un sous-like inspiré de Pinocchio, ouais, tout à fait. Ah non, non, non! Et voilà, ça y est, il commence à faire de la capoeira avec mes. Oh. Sur mes bras. Arrête! Deagle, arrête de bouger. Bah, ça vient se passer. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, reste là. Tu me prends double attaque là, vraiment? Peut-être à un moment donné aller l'attaquer, non? Attends, Deagle, arrête. J'en peux plus. C'est bon? Ça y est? Tu t'es placé là? Oh mon chaton. C'est trop mignon. Voilà. Voilà. Pas bouger. Mais d'où? D'où j'ai pas pu parer là, hein, ça va. Voilà. Ah, y a pas eu de zone. Position optimale avec la manette, les bras un peu en l'air, l'eau en l'air, oreiller parfait. T'as remarqué? Non mais regardez-moi ça. Bon, dis donc. C'est bon. Là je suis bien. Là, je suis comme ça. Je suis bien tendu là. Mais c'est pas l'oreiller parfait en vrai. J'aimerais bien pouvoir poser ma manette de manière optimale, mais c'est pas le cas. Ah, t'aimes pas quand je te frappe. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Je fais le temps. Non mais attends. Arrête, ne dash pas comme un con. Si mais dash au bon endroit quoi. Il est vénère là, elle est vénère. Hein. Ok. Et je me suis trompé. Mais Doudou, dis donc. Ok.
Oh non, j'ai bloqué là, non ? Oh non, pas du tout. Ah merde. Fallait courir. Et non. Si, c'est bon. Ok. La lumière. Regarde. Bois. Allez, first try. On les enchaîne. On les enchaîne total. Dis donc, hein. La manette aussi, elle ronronne. Hein. Ça vibre de ouf. Salut. Ah, l'araignée. L'araignée, elle va pas être contente. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu peur? Ah oui, t'as eu peur. Il entend pas le son pourtant. Hein. Des fois il monte sur l'épaule comme ça, je sais pas pourquoi. Mais en même temps je l'attrape des fois comme un bébé. Peut-être pour ça. Ah. Allô? Oh non, calmez-vous, calmez-vous. Oui, c'est le moment de me sauver, merci. Par contre les araignées, ouais non, ça marche pas. Hein. Ils aiment pas la lumière. L'animation des araignées, ça c'est non. C'est non. Main tendue. C'est beau. On a fait les deux premiers biomes. Les deux premiers biomes, hein. Donc là on revient au... Ah. Les enfants, ils kiffent trop. Mais grave, ouais. Mais c'est, en plus, c'est méga trop moignon. Mon Didi. Oh oui, Didi, il vient d'essayer de monter sur mes épaules. Alors, qu'est-ce qu'on peut débloquer? On a quoi là déjà? Pour bondir et effectuer une attaque puissante. Durée 20% de stun. Fais mieux. Mon Didi. Mon Didi. Oh gars, mon Didi. Tu te fais attraper. Bah, tu te fais attraper comme. Comme je sais pas quoi. Le Didi. Si vous entendiez Crocro crier mon Didi à la maison, ça donnerait un peu un truc comme ça. Mais je le fais pas bien, tu le fais mieux. Tu t'imites toi, mieux toi-même. C'est fou, hein. Débloqué. Non, je veux ça, moi. Je m'en sers pas, mais je le veux. Le mec que j'ai ramené de Mayotte kiffe les plaids et les prend pour des doudous. Et qu'il envoie un, il fonce dessus, rend héros et pompe. C'est mignon. Là, il se frotte. Lui, là, il se frotte la tête. Putain, mais il me fout des poils partout, par contre. Là, par contre, c'est moins cool. Ok. Ok, let's go. Retournons au hub central. Et on va arrêter la session là-dessus. Sur ce magnifique, sur tous ces magnifiques first try de l'univers. T'as vu sur le Discord, les trois chatons, tu as kiffé. Ah bah oui, ils sont trop mignons, hein, franchement. Bon, YouTube, parlons chat, parlons peu de chat. En tout cas, j'espère que tu as apprécié YouTube, c'est vraiment très très cool, très sympa, hein, c'est joli, c'est cool, vraiment, c'est vraiment ça donne envie d'y rejouer. Je pense qu'on va refaire une petite session juste après, c'est pas je pense, d'ailleurs c'est sûr, on fait une session juste après, c'est sûr. C'est vraiment super sympa. Bravo Embers. Bravo les Strasbourgeois de Strasbourg pour votre travail, c'est très cool. Et n'hésitez pas en tout cas YouTube à nous indiquer un an de plaisir, une belle éclair cet endroit, merci mon Serda. Non déjà quoi. Incroyable. Merci beaucoup pour le Prime, mon Serda, merci. Le 12 mois. Il se réveille de la sieste, le Serda. Bon, attends, j'étais en train de dire au revoir à YouTube. Merci, Serda, en tout cas. Bon, en tout cas, YouTube, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu du plaisir si tu as apprécié la découverte. À t'abonner, à mettre la cloche si tu veux voir d'autres
aventures, d'autres découvertes. Et à bientôt, tu prends soin de toi, c'était Equilibrium. Bye bye.